Bon, ben, alors nous sommes de Bordeaux. On vient sur Beausens depuis maintenant une dizaine d'années. Donc le quartier, Hautacam, tout ça, on y va très régulièrement, plusieurs fois par an. Et c'est vrai que là, on cherche à investir pour venir habiter dans votre belle région. Le village de Villelongue est un petit village très charmant, très calme, arboré, agréable, avec les gens très sympathiques. Donc voilà, on aime beaucoup le coin. Voilà, les D'accord. enfants, ils sont bien. Et donc d'ici dans la région, qu'est-ce que vous connaissez comme endroit? C'est-à-dire vous connaissez uniquement par ici ou Alors nous, vous on est avez. tombés amoureux de cette vallée. Donc après, c'est vrai que, comme je vous ai dit, tout le côté Hautacam, on aime beaucoup monter à Couraduc. Après, côté Luzardiden, qui est un petit peu plus loin, là, c'est plus pour le ski, vraiment. Petit commence, d'ailleurs. Ouais. Mais après, c'est vrai, tous les petits villages, vers Arras-en-Avignon aussi, un village qui est assez sympathique également. Voilà. Puis après, tout ce qu'on peut faire dans le coin, il y a énormément d'activités pour les familles, c'est formidable. Et donc, dans le village, qu'est-ce qu'il y a à voir sinon? Oh, dans le village, c'est un petit village de montagne. Donc après, on a surtout beaucoup de balades. Ça, c'est quand même très agréable. Les petites cascades qu'on peut avoir un petit peu plus haut, les petites maisons, les maisons très charmantes, typiques du coin. Voilà. Enfin, nous, c'est ce qu'on recherche en tout cas, l'authentique. Moi, je suis bayonnais, là, je suis en résidence secondaire ici. Et on apprécie beaucoup la région parce que c'est vaste. Hein, vous avez Gavarnie à proximité, Cotteret, enfin, plein de randonnées et de stations également. Et pour ce village, vous avez des jolis moulins à visiter. Le hameau de Hortiac qui est magnifique avec sa petite chapelle. Hein, Et ici, où c'est qu'on se trouve, sinon, comment il s'appelle le village? Villelongue. D'accord. Villelongue. Et.